prête? Je finis ma clope. Et si on me proposait de revoir mes potes après 7 ans... Arrête. C'est sûr que ça va être sympa. En plus, ça va faire plaisir à Claire. Ouais, si tu le dis. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. De te voir. Moi aussi, ça va? Oui, et toi? Ouais. C'est le fameux Raphaël, lui-même. Ah! Ça va? Je suis trop contente que tu sois là. Comment ça va? Oui. Ça fait bon? Ouais, enchantée. Ah, super, ah. Salut, salut, bon. Damien. Salut. Salut. Ouais. Bon, vous êtes les derniers. Hein. Allez-y, entrez. Hein. Ouais. Merci. Vas-y, tiens, tiens. Allez, futur marié, bon. Au bébé. Voilà, ok. Oh, tu te calmes. Oh, déjà, ça commence. Là, je te calme, je te calme. On n'a pas pris de serviette pour demain, tu peux nous en prêter? Oui, bien sûr. Deux, ça suffit? Ouais, parfait, merci chérie. En tout cas, on a passé une super soirée. Hein. C'était trop bien de vous revoir après tout ça. On a bien fait d'assister, non? Votre baraque, magnifique. On n'en revenait pas quand on a vu les photos avec Julien sur Facebook, quand on était vert. Que vous ayez aussi bien réussi, j'avais envie de voir ça de mes propres yeux. Enfin, tu comprends, quoi. Avec votre petit couple au lycée, c'est pas évident, mais... Mais là, la baraque, le bébé, vous êtes plus les mêmes, quoi. D'ailleurs, il est où ce bébé? J'aurais trop aimé le voir. Ben, tu sais, là, pour un week-end entre amis, c'est pas l'idéal. Un enfant de 8 mois... C'est vrai. T'es encore debout? Ouais. Rafa a fait une petite crise d'asthme, j'arrive pas à me rendormir. Il reste qui en bas? Seulement Julien, il finit son verre. Oh putain, c'est pas vrai. On va le chercher. Julien? Julien, il est 5h, putain! Julien! Putain, on a de la roue demain, merde! Julien! Julien, tu te dépêches, s'il te plaît? Vous êtes qui?
10 minutes. Il faut tenir 10 minutes, d'accord? Les médicaments, ils sont où, tes médicaments? C'est où? Il est dans la salle de bain. J'ai le temps de remonter. D'aller le chercher. Tu tiendras pas 10 minutes. Jamais nous trouver ici. J'ai mis une plombe pour venir, même avec les indications de Claire. C'est pas indiqué sur le GPS. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille sur la grande route pour les amener ici, tu comprends? Je vais y aller. Il faut que tu m'expliques comment on sort de cette putain de baraque. Benjamin, je crois que j'ai une idée. Il a un plan pour nous faire sortir d'ici. Je sais pas, mais ça va. Entendu. Il faut que j'apporte ça à Raphaël. Non, attends, attends, pas plus longtemps. Il est en train de s'étouffer là, il va mourir. Tu es déjà mort. Quoi? Il est déjà mort, c'est terminé. Tu vas te planquer. Je vais chercher Benjamin et je reviens te chercher.
que vous faites là? J'habite ici. Pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? On a appelé la police, madame, ils sont en route là. Il n'y a plus de danger, on a tué le type. Quoi? Quel type? Vous le connaissez? Arrêtez! Arrêtez de me torturer! Je vous ai rien fait! Pourquoi vous nous faites ça? Mais vous savez pas? Ils sont rentrés chez nous hier matin. On était dans la cuisine en train de petit déjeuner. Ils sont arrivés de nulle part, tous les deux. Ils nous ont menacés. Ils nous ont mis dans la cave. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Ils ont équilibré pas mal à mon bébé. Ils ont menti. Calmez-le, il arrête pas de pleurer. Calmez-le. Calme-toi, petit. Calmez-le, bon sang. Ils sont devenus des monstres.